Okay, I guess if you're ready, we can start. And if some other people are coming in, there is enough seat to sit in. Okay, so I would just say two sentences in English and then we're going to switch in French because we said the event will be in French. But if you have any question in English, feel free to ask them in English. It's okay, I think we understand. And you can also answer the question in English if it's easier. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième Café des sciences de l'année. Je suis Benjamin, je suis chargé de mission scientifique au Consulat général de France à Atlanta et je travaille pour le service scientifique de l'ambassade de France aux États-Unis. Donc, cet événement, le Café des sciences, est organisé par le service scientifique de l'ambassade de France aux États-Unis en partenariat avec le Consulat général de France à Atlanta, la French Tech Atlanta et la Chambre de commerce franco-américaine d'Atlanta. L'objectif pour le service pour la science et la technologie de l'ambassade, c'est de favoriser les coopérations scientifiques entre la France et les États-Unis. Et une partie de nos actions vise à créer un réseau de chercheurs français et francophones aux États-Unis et les mettre en contact avec des chercheurs français établis en France. Donc c'est l'un des objectifs du Café des sciences, mais pas que. Pour nous, les Cafés des sciences, c'est l'occasion de réunir la communauté scientifique francophone d'Atlanta, d'échanger sur l'expérience des chercheurs français et francophones, sur leur expérience de vie aux États-Unis. Mais aussi, c'est l'occasion de vulgariser en français la science et les recherches qui sont faites dans les laboratoires pour l'ensemble de la communauté francophone. Donc, aujourd'hui, on a choisi d'avoir une session thématique sur les neurosciences avec deux chercheuses francophones établies à Atlanta depuis quelques années. Donc, Dr Anne-Caroline Martel, qui est postdoctorante à Emory, et Dr Aurélie Pala, qui est postdoctorante à Georgia Tech et Emory. Les présentations vont durer chacune... les présentations vont chacune durer 15 à 20 minutes, et après, vous aurez environ 5 minutes pour poser des questions, si vous en avez. J'espère que vous en avez beaucoup. Et ensuite, on aura l'occasion de continuer à échanger et discuter autour des boissons et des snacks qui sont installés dans le couloir. Donc, on pourra continuer à discuter en français, en anglais, en allemand, comme vous voulez. Donc, avant de commencer les séries de présentations, je voulais remercier en particulier aussi le département de français et d'italien de Emory, qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation de cet événement. En particulier, Mary Catherine Tippett, qui nous a trouvé la salle et réservé la salle et vu tous les problèmes logistiques pour nous. Et je voulais aussi remercier Dr Christian Frenzel et Dr Mark Daniel Guttenbutz d'avoir partagé les informations sur le Café des sciences à la communauté des neurosciences d'Atlanta. Merci beaucoup à tous. Et je pense qu'avec ce petit mot d'introduction, on peut commencer avec les présentations scientifiques. La première présentation sera Anne-Caroline, si ça marche. Donc Anne-Caroline Martel est chercheuse postdoctorante à l'université Emory dans le laboratoire de Thomas Fishman. Et avant d'arriver à Atlanta, Dr Martel a réalisé son travail de doctorat sous la direction de Paul Apicella à l'université d'Aix-Marseille. Sur l'identification des réseaux neuronaux impliqués dans la perception du temps chez les singes macaques. C'est bon. Et aujourd'hui, elle va nous présenter son travail de recherche postdoctorale sur la maladie de Parkinson, où elle étudie les changements temporels d'intégrité structurelle et fonctionnelle des neurones en fonction de l'émergence de la maladie de Parkinson à l'aide d'un modèle animal. Donc, elle va nous expliquer tout ça. Merci à toi. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, merci Benjamin pour l'invitation et comme vient de me présenter, je suis postdoc à Emory et j'étudie l'évolution de la maladie de Parkinson et pour cela j'utilise un modèle animal. Donc aujourd'hui je voulais vous expliquer un peu plus en détail comment on peut arriver à comprendre la maladie de Parkinson en utilisant un modèle animal. Je vais commencer brièvement par vous présenter la maladie de Parkinson qui a été décrite pour la première fois par James Parkinson en 1817, il lui donnera son nom. Il avait publié à l'époque un essai à Londres appelé « Shaking Palsy », qu'on pourrait traduire par « paralysie par tremblement », où il décrivait tous les symptômes moteurs qu'on observe au cours de la maladie. C'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus connue après la maladie d'Alzheimer, et elle concerne 1% des adultes de plus de 60 ans.
Pour la plupart des gens, la cause de la maladie est dite idiopathique, ça veut dire que la cause est inconnue. Divers facteurs peuvent participer à son émergence, des facteurs génétiques, il y a certains gènes qui ont été identifiés, des facteurs environnementaux, comme des traumas crâniens ou des pesticides, et le vieillissement. Et là où c'est un peu plus complexe, c'est qu'il peut y avoir une combinaison de ces différents facteurs à l'origine de l'émergence de la maladie. Donc, quand on pense à la maladie de Parkinson, tout de suite on pense aux symptômes moteurs, comme les tremblements, qui sont des mouvements involontaires. Il y a également la bradykinésie, qui est la lenteur des mouvements, et la rigidité, la raideur des muscles. Mais à cela s'ajoutent d'autres symptômes qui sont non moteurs, qu'on appelle également les symptômes invisibles, parce qu'on ne s'en rend pas compte de l'extérieur, mais ils peuvent être très variés selon les patients et très handicapants pour eux. Voici une liste non exhaustive, donc vous voyez que ça peut être très varié, comme la constipation, la perte de l'odorat, des troubles du sommeil. Donc les symptômes les plus importants sont les symptômes moteurs, donc la maladie de Parkinson, on appelle ça un trouble du mouvement. Donc à présent, pour vous expliquer ce que moi j'étudie au cours de ma recherche, je vais vous parler de quelles sont les structures du cerveau qui sont impliquées dans le mouvement. Donc ici, vous avez une coupe frontale d'un cerveau humain avec les deux hémisphères droit et gauche. En fait, ici, vous avez une représentation du cerveau dans son intégralité vue de gauche. Et si on vient le couper en deux et qu'on l'ouvre, c'est la représentation qu'on obtient. Vous avez dans un premier temps à l'extérieur du cerveau le cortex moteur impliqué dans le mouvement volontaire et plus au centre du cerveau toute une série de noyaux qui participent au mouvement. Vous avez le thalamus, le noyau caudé et le putamen qui eux deux forment ce qu'on appelle le striatum, le globus pallidus externe et interne, le noyau subthalamique qui est une toute petite structure mais très importante dans le mouvement et c'est celle que moi j'étudie, et la substance noire. Et l'ensemble de ces noyaux internes du cerveau, c'est ce qu'on appelle les ganglions de la base. Et donc, si je zoome un peu plus dans le fonctionnement du cerveau, chaque cellule, c'est ce qu'on appelle les neurones, qui sont composés de différentes parties, donc le corps cellulaire où il y a le noyau, qui peuvent avoir des dendrites autour, c'est la partie du neurone qui reçoit l'information des neurones qui sont autour. Ensuite, du corps cellulaire, vous avez un axone qui s'étend et qui va se terminer et se diviser en terminaison axonale. Et c'est cette partie-là qui va, elle, connecter d'autres neurones. Et au sein d'un neurone, l'information, elle circule sous forme d'un courant électrique qu'on appelle un potentiel d'action. C'est une fluctuation de ce courant électrique qui va se propager du corps cellulaire tout au long de l'axone jusqu'aux terminaisons axonales. Et pour communiquer entre eux, les neurones utilisent donc ces potentiels d'action, donc l'électricité, mais également l'information chimique. Entre un neurone A et un neurone B, le point de contact entre les deux, c'est ce qu'on appelle la synapse. Et à ce niveau-là, ce message électrique va être transformé en un message chimique. Donc si je zoome à ce niveau-là, au point de contact entre les deux neurones, vous avez la terminaison du neurone A et vous avez des vésicules qui comportent ces petites billes violettes qui s'appellent les neurotransmetteurs. Et ce sont des molécules chimiques qui, avec l'arrivée du courant électrique, vont être libérées entre les deux neurones, ce qu'on appelle la synapse, et vont aller se fixer à votre deuxième neurone sur des récepteurs, et là va être engendré à nouveau un courant électrique, et c'est comme ça que l'information circule au niveau du cerveau. Et en fait, dans le cerveau, des neurotransmetteurs, il y en a différents types qui vont avoir un rôle bien particulier. Vous en connaissez sûrement sans savoir que ce sont des neurotransmetteurs. C'est le cas de l'adrénaline, qu'on sécrète dans des situations stressantes, ça va être à l'origine de l'augmentation du rythme cardiaque, par exemple. Les endorphines qu'on libère pendant l'exercice physique et la dopamine qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est impliquée dans ce qui est sensation de plaisir, la dépendance, l'addiction, la motivation et le mouvement. Et en fait, dans un cerveau à l'état normal, cette dopamine, elle est produite par les neurones qui se situent au niveau de la substance noire et qui vont envoyer des projections dans le striatum, donc le noyau caudé et le putamen. Donc vous allez avoir à l'état normal une concentration de dopamine dans ces structures-là pour le bon fonctionnement moteur. Et ce qui se passe dans la maladie de Parkinson, c'est que ces neurones de dopamine dégénèrent. Donc il y a une diminution de la dopamine dans les structures qui en ont besoin pour fonctionner correctement et qui participent au mouvement. Donc si elles ne fonctionnent pas, c'est là qu'on a les troubles moteurs. Donc, depuis la description de la maladie de Parkinson en 1817, il y a différents traitements qui ont été mis au point. Ça a commencé dans les années 50 avec l'apparition des lésions chimiques
des ganglions de la base. Donc ici, vous avez le dessin que l'on peut retrouver dans la publication à l'époque où les chirurgiens allaient directement injecter un produit toxique qui allait léser, donc faire cesser de fonctionner des structures des ganglions de la base, donc impliquées dans le mouvement et qui ne fonctionnent pas correctement dans la maladie. Et ça avait pour conséquence de diminuer les tremblements et la rigidité chez les patients. Le problème, c'est que cette méthode, elle est non réversible. Ensuite, dans les années 60, il y a eu le développement des traitements pharmaceutiques. C'est la thérapie par levodopa. Donc, c'est une molécule chimique naturelle qui est prise par comprimé et qui va avoir la fonction d'aller dans le cerveau, remplacer la production de dopamine que les patients n'ont plus au cours de la maladie. Donc, ça va permettre de diminuer les symptômes moteurs et également certains symptômes non moteurs. Une des limites de ce traitement, c'est qu'à long terme, il peut avoir des effets secondaires par une surproduction de dopamine dans le cerveau et des effets secondaires moteurs. C'est ce qu'on appelle les dyskinésies. Donc, c'est des mouvements involontaires au niveau du visage, des membres ou du tronc des patients. Mais également des troubles de l'impulsion. Les patients vont jouer de manière pathologique, présenter de l'hyperactivité ou même des troubles psychiatriques, hallucinations, paranoïa. Donc, dans les années 90, a été développée une troisième méthode de traitement, c'est la neurostimulation. En fait, c'est une lésion, cette fois-ci, réversible. Donc, le chirurgien va venir implanter dans le cerveau des patients une électrode qui va venir stimuler une zone précise du cerveau, le noyau sous-thalamique impliqué dans le mouvement. Et on va pouvoir le mettre on et off et venir régler l'intensité de stimulation. Et après, c'est relié par un câble à un petit boîtier avec la batterie et qu'on peut venir moduler. Ici, je vous ai mis une vidéo pour vous montrer que le patient ici, parkinsonien, qui présente un tremblement de la main gauche, il a eu cette chirurgie, donc il a dans son cerveau l'électrode de stimulation et son médecin à sa gauche est en train d'essayer de trouver le réglage, donc la bonne intensité pour permettre de stopper ces tremblements. Et vous allez voir qu'à 3 volts, c'est assez impressionnant, ça permet d'arrêter complètement le symptôme du patient. Donc c'est une super avancée parce que ça, c'est quelque chose qui est réversible, donc ça peut être on et off, et si on arrive à trouver le bon voltage, ça permet de vraiment faciliter la vie des patients. Une des limites de ce traitement, c'est que déjà ça nécessite une lourde chirurgie, qu'il faut répondre à une liste précise de critères pour pouvoir être un patient qui puisse avoir ce traitement, et il faut arriver à cibler une toute petite zone du cerveau, donc c'est pas dit que quand l'électrode est en place, il y a un effet de la stimulation, malheureusement. Et enfin, pour décrire la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative progressive, ça veut dire qu'elle évolue avec le temps et que les symptômes s'aggravent avec le temps. Et pour la décrire, on définit différentes périodes que l'on base sur les symptômes moteurs, donc la période sans symptômes moteurs, la période motrice précoce, donc le tout début des symptômes moteurs, comme les tremblements, et la période de manifestation, où là, on voit vraiment tous les symptômes moteurs des patients, et c'est là que le diagnostic est établi. Donc ici, vous avez des scanners de cerveau humain, où avec une technique, on peut aller mesurer la quantité de dopamine qu'il y a dans le striatum des personnes. Donc vous voyez, à l'état normal, en rouge, c'est quand il y a une forte concentration, il y a de la dopamine dans le striatum. Et plus on avance, moins il y en a. Et en fait, quand le diagnostic est posé, il y a déjà au moins 70% des neurones de dopamine qui ont déjà disparu dans le cerveau de ces patients. Et en fait, cette dégénérescence, elle peut commencer 10 voire 17 ans avant la pose du diagnostic, parce que le diagnostic est établi sur les symptômes moteurs, mais les symptômes non moteurs peuvent apparaître bien avant, juste on ne fait pas le lien avec la maladie. Donc actuellement, les défis de la recherche, c'est d'arriver à améliorer et diminuer les effets secondaires des traitements qui existent déjà, mais surtout d'essayer de ralentir cette dégénérescence des neurones dopaminergiques et retarder l'apparition des symptômes moteurs. Donc c'est réussir à avoir un traitement dit neuroprotecteur. Mais comme je viens de vous montrer, quand on fait le diagnostic, il y a déjà eu 70% de perte des neurones. Donc ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir identifier les futurs patients qui seront atteints de la maladie de Parkinson en trouvant ce qu'on appelle un biomarqueur, c'est-à-dire quelque chose dans le cerveau des patients ou même génétiquement qu'on pourrait identifier de manière précise qui pourrait indiquer que ces personnes vont développer la maladie, donc
prendre un traitement neuroprotecteur en amont. Donc, comment on peut étudier la maladie de Parkinson pour obtenir tous ces développements? Donc, on peut déjà observer la progression de la maladie chez les patients. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité entre les patients et que déjà, quand le diagnostic est posé, la maladie est déjà à un stade avancé. Donc, ce qui a été intéressant et important dans l'étude, ça a été la mise au point des modèles animaux de la maladie de Parkinson qui nous ont permis l'étude de la progression de cette perte de dopamine au niveau du cerveau et de regarder les modifications qui occurrent au niveau cérébral. Donc, on utilise deux modèles. Il y a le modèle rongeur et le modèle primate non humain, donc les singes, qui sont des modèles de dégénérescence dopaminergique. Et pour cela, on utilise une toxine pour induire cette dégénérescence. Chez le rongeur, c'est le 6-OHDA et chez le singe, c'est le MPTP. Je ne vais pas vous dire les noms complets, c'est barbare, ce n'est pas très intéressant. Et moi, ce que je fais au cours de mon postdoc au laboratoire, c'est que j'étudie la neuroplasticité, c'est-à-dire les changements qui occurrent dans le cerveau au cours de la maladie de Parkinson en utilisant les modèles de singes parkinsoniens qui ont été traités avec le MPTP. Donc, pourquoi utiliser un modèle de primate non humain, de singe? Ici, vous avez un cerveau de singe et un cerveau d'humain. Donc, mis à part la taille, vous voyez qu'ils sont assez similaires. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'anatomie et même les connexions cérébrales, et même au niveau génétique, il y a de fortes similarités entre les deux espèces, qui permet de faire que ce que l'on va découvrir chez le singe, en expérimentation animale, ça va pouvoir être plus facilement applicable directement en thérapie chez l'homme. Et pour la petite anecdote, le MPTP a été découvert au début des années 80 chez un groupe de consommateurs d'héroïne en Californie. Et en fait, ils sont mis à développer des symptômes de la maladie de Parkinson, des symptômes moteurs. Et ce qui s'est passé, les médecins ont découvert que l'héroïne qu'ils ont consommée, sans le savoir, elle était intoxiquée avec le MPTP. Et ce MPTP, c'est une toxine qui va aller faire dégénérer les neurones dopaminergiques de la substance noire du cerveau, d'où le développement des mêmes symptômes. Donc, ce modèle de singe traité au MPTP nous permet d'avoir cette dégénérescence de la dopamine que l'on peut contrôler et on sait le moment où cette dégénérescence va démarrer, donc pouvoir suivre les changements dans le cerveau dès le début de cette perte de neurones. Et ils vont présenter les mêmes symptômes moteurs que les humains et même certains symptômes non moteurs comme la perturbation du sommeil, ce qui est intéressant parce que comme l'humain, le singe est un animal diurne, donc il vit le jour et dans la nuit. Donc maintenant, j'aimerais rapidement vous présenter les méthodes d'investigation qu'on utilise en recherche pour comprendre la maladie de Parkinson, donc, ce que je fais tous les jours. Donc, dans un premier temps, j'étudie l'anatomie des neurones chez ces singes parkinsoniens. Et pour cela, j'utilise la microscopie électronique couplée à l'immunocytochimie. Donc ça va me permettre d'aller dans le cerveau, visualiser et comparer l'anatomie directement des neurones et même au niveau des synapses, et voir quel est l'effet de la maladie, de l'évolution de cette perte de neurones dopaminergiques. Plus précisément, je m'intéresse donc au noyau subthalamique ici. Et ici, vous avez une coupe de cerveau où par un traitement chimique, en utilisant ce qu'on appelle les anticorps, je peux aller marquer un neurone spécifique, un neurone d'intérêt donc, dans cette structure-là. Et si on fait un premier zoom en utilisant un microscope optique, chaque point noir, ça représente un neurone de la structure que je vais aller étudier et je peux déjà comparer entre les animaux contrôle et les animaux parkinsoniens s'il y a une perte, une augmentation de ce type de neurones ou dans le cerveau. Et ensuite, en utilisant ce gros microscope qui fait la taille d'une pièce, microscope électronique, je peux aller à très gros grossissement observer directement au niveau de la synapse. Donc, si je vous remets le schéma que j'ai utilisé précédemment, ici, vous avez la terminaison d'un premier neurone avec toutes les vésicules qui comportent les neurotransmetteurs qui contactent un second neurone. Et je peux aller de la même manière comparer entre un animal contrôle et parkinsonien comment les changements au niveau de ces synapses évoluent au cours de la maladie. Je peux reconstruire en 3D pour regarder ce qui grossit, ce qui diminue, ce qui change, quoi. Et le second niveau d'étude, c'est l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau. Donc, ça s'appelle l'électrophysiologie in vivo. Donc, chez in vivo, parce que c'est chez le singe vivant, je peux aller directement enregistrer l'activité électrique, donc les potentiels d'action des neurones, toujours ma structure d'intérêt, le noyau subthalamique,
Donc, en gros, sur mon ordinateur, j'obtiens un signal de base et chaque pic, ça va correspondre à un potentiel d'action, donc une fluctuation d'activité qui montre l'activité du neurone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité électrique des neurones est altérée au cours de la maladie de Parkinson. Chaque type de neurone dans chaque zone différente du cerveau a un pattern d'activité bien précis, c'est comme ça qu'on peut les identifier. Donc ici, chez un animal contrôle, vous avez différents patterns d'activité selon des neurones de structures différentes impliquées dans le mouvement. Et au cours de la maladie de Parkinson, ces patterns sont modifiés et deviennent aberrants. Et en fait, de nombreux symptômes moteurs de la maladie de Parkinson résultent directement de la perte des neurones dopaminergiques, mais d'autres sont dus en fait à ces patterns d'activité aberrants des neurones qui restent. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller regarder avec l'évolution et la progression de la maladie comment ces patterns évoluent et est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être identifiable avant même le développement des symptômes moteurs. Donc pour conclure, s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est comment la recherche sur les modèles animaux, notamment le modèle parkinsonien ici, peut être utile pour traiter la maladie de Parkinson. Donc, il faut prendre ça comme un grand puzzle. Et la première pièce, c'est celle à laquelle je participe, la recherche fondamentale, où en faisant des expérimentations sur les modèles animaux, on peut comprendre et développer nos connaissances sur la maladie en contrôlant un peu plus ce qu'on ne pourrait pas faire juste en observant les patients. Et tout ce savoir va pouvoir participer au développement de nouvelles méthodes de diagnostic précoce, donc à la maladie de Parkinson, de nouveaux traitements avec moins d'effets secondaires ou juste améliorer la qualité de vie des patients. Et enfin, ça va participer à la dernière pièce du puzzle qui est l'application clinique. Donc, c'est directement chez les patients parkinsoniens, tester de nouveaux traitements dans le but d'une commercialisation de nouveaux équipements, de nouveaux médicaments. Et souvent, on a tendance à penser à l'application clinique parce que c'est ce qui a un effet direct pour soigner la maladie, mais tout ce qu'on fait en amont avec les modèles animaux nous permet d'obtenir des résultats pour soigner les patients. Et quand on fait des expérimentations sur les modèles animaux, on espère que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on va trouver, ça va être utile pour soigner les patients. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions. Tu as dit que parfois les symptômes de la maladie apparaissent 10 ans, voire 17 ans après le vrai développement, le vrai début de la maladie. Quand vous faites les modèles chez le singe avec les traitements chimiques, combien de temps ça met pour le singe à développer ces symptômes? Du coup, le MPTP qu'on utilise, il est ce qu'on appelle dose dépendant. Donc, selon la dose qu'on utilise, on peut générer une perte plus ou moins rapide de neurones dopaminergiques. Donc, avoir une version un peu plus accélérée de ce qui pourrait se passer chez l'homme. Et ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois. Et quand il y avait la version accélérée, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment le même type de maquette? C'est une très bonne question. On ne peut pas être sûr à 100%, mais on essaie de reproduire. C'est sûr qu'on ne va pas faire une manip qui va durer 10 ans. Mais déjà, à l'échelle de l'expérimentation chez les singes, ça peut prendre déjà plusieurs années. Donc. Justement, la toxine, par quel mécanisme est-ce que cette toxine déclenche la maladie de Parkinson? Est-ce que vous devez administrer quotidiennement la toxine ou est-ce qu'une fois ça suffit pour déclencher la maladie? On peut faire de différentes façons. On peut l'injecter, on peut l'injecter directement dans les veines, ce qui aura un effet plus rapide, ou l'injecter musculairement de façon chronique, donc toutes les semaines par exemple. Et cette toxine, elle va aller après dans le cerveau et faire des petits agrégats en fait, dans les neurones de la dopamine, ce qui va les faire mourir et dégénérer. Et après, c'est selon la dose qu'on utilise, la concentration, ça va avoir un effet plus ou moins rapide chez les animaux. Après, les animaux ne répondent pas de la même manière. Certains vont être plus sensibles et d'autres moins sensibles. Donc, ça va prendre plus de temps. Oui. Quel pourcentage des neurones dans le noyau est-ce que
Donc, quand on injecte, quand on utilise le MPTP, on ne peut pas directement voir le pourcentage de neurones qui sont dégénérés. Donc souvent, c'est à la fin de l'expérimentation qu'on peut aller regarder dans le cerveau et établir objectivement combien de neurones ont disparu. Ce qu'on utilise, c'est des échelles pour mesurer les symptômes que les animaux développent. Et après, pour une étude, on va comparer et on va avoir au moins 3 animaux pour voir si ce qu'on observe, ça se répète de la même manière. Mais en général, quand un animal présente des symptômes moteurs et qu'il a un Parkinson sévère à la fin, il y a une perte de 80% à peu près des neurones dans la substance noire et de dopamine dans le striatum. Est-ce que les animaux, du coup, à ma connaissance, il n'y a pas de données qui indiquent de manière naturelle, enfin à l'état naturel, il y a des animaux qui n'ont peut-être pas regardé. Mais... C'est plus caractéristique de l'homme, cette maladie. Qu'il y avait plusieurs facteurs de développement de la maladie génétique, environnementaux et le vieillissement. Est-ce qu'on sait quel est le pourcentage exactement de chacun? Ouais, est-ce qu'il y a un gros pourcentage de facteurs génétiques? C'est plutôt le plus gros facteur, c'est le facteur vieillissement. Et du coup, avec la population qui vieillit, les données indiquent que d'ici 2040, le nombre de patients parkinsoniens pourrait doubler. Mais je pense que c'est de la même pour l'Alzheimer, par exemple. Mais en ce qui concerne les gènes, je pense que les causes génétiques de Parkinson sont moins fréquentes que si c'est lié au vieillissement ou à l'environnement. Il n'y a pas de modèle d'étude génétique chez les souris. Si, il y en existe où ils vont manipuler c'est des modèles au niveau des mitochondries. Mais il y a un gène qui a été identifié par une autre explication du processus de développement de la maladie. Bon, il y a d'autres modèles qui existent, qui sont étudiés. Merci. Alors... Donc, la deuxième présentation est par Dr. Aurélie Pala, qui est chercheuse postdoctorante en neurosciences dans le laboratoire de Garrett Stanley, dans le département d'ingénierie biomédicale entre Georgia Tech et Emory. Et avant d'arriver à Atlanta, Aurélie a réalisé son travail de doctorat à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, où elle a étudié le fonctionnement des synapses dans la transmission d'informations entre les neurones. Donc, maintenant, on sait c'est quoi une synapse. Et elle a aussi étudié à l'université de Yale avant de venir ici. Et aujourd'hui, elle va nous présenter ses recherches sur le rôle des cellules du cerveau dans la sensation tactile et comment les deux hémisphères du cerveau travaillent ensemble pour établir une perception unifiée de l'environnement. Merci. Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci Benjamin et aussi aux autres personnes pour m'avoir invité à présenter aujourd'hui. Alors... En effet, comme Benjamin l'a dit, donc mon travail actuel porte sur le... Je vais juste revoir. Mon travail actuel donc, porte sur le sens du toucher. Et en particulier, ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment l'information tactile qu'on obtient, par exemple, avec nos mains, est représentée dans l'activité électrique des neurones du cerveau et comment ensuite cette activité électrique est utilisée pour générer la sensation, la perception du son du toucher. Donc, ce genre de recherche, c'est aussi de la recherche typiquement fondamentale. On essaie de comprendre comment le sens du toucher fonctionne, on essaie de comprendre comment le système nerveux fonctionne lors du sens du toucher. Mais ça aussi, éventuellement, au final, des applications pour tenter de comprendre quand le sens du toucher ne fonctionne pas, par exemple, lors du vieillissement ou les gens qui ont des hallucinations tactiles.
Et le genre de connaissances qu'on obtient avec notre recherche, c'est aussi utilisé, par exemple, en neuro-ingénierie, dans la construction des prothèses, des neuroprothèses, des prothèses qui sont en contact avec l'activité électrique, que le cerveau peut contrôler, mais aussi les prothèses peuvent interagir dans les deux sens avec le cerveau. Donc, notre recherche, oui, c'est de la recherche fondamentale, mais au final, il y a aussi des applications pour les maladies et pour la neuro-ingénierie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un objet entre en contact avec ton peau ou quand on utilise nos mains pour toucher un objet? Donc, le contact avec l'objet, ça va déformer des structures qui sont situées dans la peau, qui s'appellent des mécanorécepteurs. Sur ce schéma ici, il y en a 4 qui sont représentés. Il en existe différents types, donc, et ils sont caractérisés par les différents types de tissus qui les constituent. Ça peut être du collagène, des cellules épithéliales ou du tissu connectif, et aussi par la profondeur, la position dans la peau. Il y en a certains qui sont plutôt juste sous la surface de la peau, dans l'épiderme, et d'autres, ils se situent plus profondément dans le derme. Et tous ces mécanorécepteurs, ils sont innervés par des terminaisons nerveuses. Sur l'image, sur le schéma, ici, c'est ce qui est en bleu et en jaune. Et lorsqu'un objet touche la peau, ou qu'on utilise nos mains pour toucher un objet, la pression sur la peau, la force, ça va générer une activité électrique dans ces terminaisons nerveuses. Et cette activité électrique, elle va se propager le long des nerfs sensoriels. Et ces nerfs arrivent au niveau de la colonne vertébrale, que dans la moelle épinière, vous pouvez voir une coupe, une tranche, si vous voulez, de moelle épinière. Et cette activité électrique, elle va ensuite se propager en direction du cerveau en passant par différentes régions, dont le tronc cérébral, c'est une région qui se situe ici à la base du cerveau, sous le cérébellum. Le thalamus, qui est une des régions, donc un des noyaux un peu plus profonds, dans une région assez proche de la région dont Anne-Caroline a parlé. Et ensuite, ces signaux vont arriver dans le cortex. Donc, dans une zone, quand Anne-Caroline me présentait son travail, elle a parlé du cortex moteur. Et ici, on parle du cortex sensoriel qui est situé à côté du cortex moteur et dont la fonction est justement de représenter l'information tactile. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, l'activité électrique qui provient des nerfs, disons, d'un côté du corps, qui est ici représenté en rouge, va finalement arriver au niveau du cerveau, dans le cortex, de l'autre côté, dans l'hémisphère opposé. Et le fait que l'information sensorielle qu'on obtient par un des côtés de notre corps soit représentée principalement dans l'hémisphère opposé, ici, dans ce schéma, c'est assez clair, parce que l'information qu'on obtient par la main gauche est principalement représentée par l'activité du cerveau dans l'hémisphère droit. C'est une des caractéristiques principales de l'organisation du sens du toucher. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une petite expérience rapide. J'aimerais juste que vous utilisiez vos deux mains pour toucher deux de vos habits, ou si vous portez une robe ou un habit unique, avec une des mains, vous touchez un habit avec l'autre votre peau, ou sinon avec une des mains un habit et l'autre main l'autre habit. Et j'aimerais que vous compariez la surface de votre habit et que vous décidiez lequel de vos deux habits est le plus lisse ou le plus doux. Et ensuite, que vous leviez la main qui a touché l'habit le plus doux. Vous pouvez faire ça. Bon, je vois quelques mains levées. Peut-être que tout le monde n'a pas exactement compris ce que j'expliquais. Alors, le fait que vous ayez pu faire cette comparaison en utilisant vos deux mains, en utilisant l'information qui provient de chaque main, veut dire que l'information qui initialement arrive de chaque côté du cerveau, dans chacun des hémisphères, a pu se rencontrer, a pu être comparée à l'intérieur du cerveau, que les signaux électriques, quelque part, ont interagi les uns avec les autres. Si ça ne s'était pas passé, vous n'auriez pas pu décider lequel de votre pull ou de vos pantalons était le plus doux ou le plus rugueux, par exemple. Et donc, le but de mon travail, de mon projet actuellement, c'est de comprendre cette communication entre les deux hémisphères du cerveau, de comprendre comment les signaux électriques interagissent entre les deux hémisphères lors du sens du toucher, quand on utilise les deux côtés de notre corps. Et les objectifs principaux sont les suivants. Alors, tout d'abord, c'est d'identifier les régions du cerveau dans lesquelles ces interactions ont lieu, et plus précisément, dans chaque région, quelles cellules sont impliquées dans ces interactions. Ensuite, c'est de caractériser justement
comment les signaux électriques interagissent les uns avec les autres. Est-ce que les deux signaux vont s'additionner? Peut-être qu'un signal va toujours prendre le dessus sur un autre signal. De comprendre un petit peu les opérations qui régissent l'activité électrique entre les deux hémisphères. Et le troisième but, c'est d'établir quelle est la relation entre l'activité électrique des cellules qu'on mesure dans le cerveau et les propriétés de ce que je vais appeler le stimulus tactile, c'est-à-dire la stimulation de la peau, la chose qui va générer l'activité électrique à l'extérieur, vers la peau, ou vers les cheveux ou les poils, par exemple. Et bien sûr, ce que j'entends par propriété, c'est-à-dire qu'un stimulus, un contact avec un objet, il peut être plus ou moins rapide, il peut être plus ou moins fort, la pression peut être différente. Et ce sont ce genre de propriétés qu'on essaie de comprendre. Quel est le lien entre les propriétés et l'activité électrique des cellules du cerveau. Maintenant, pour répondre à ces questions, il faut être capable de mesurer l'activité du cerveau et plus précisément l'activité des cellules individuelles pendant le sens du toucher. Et techniquement, c'est possible de faire ce genre de mesure chez l'être humain, mais c'est très compliqué techniquement, éthiquement, et aussi il y a peu d'opportunités. Disons, la quantité de mesures qu'on peut faire est pas très grande. Donc, c'est plus simple d'utiliser un modèle animal pour essayer de répondre à ce genre de questions. Donc, dans mon travail, on utilise la souris comme modèle pour comprendre le sens du toucher. Donc, le sens du toucher, c'est un des sens principaux que les souris utilisent pour obtenir des informations sur leur environnement. Et elles obtiennent cette information tactile non pas grâce à leur patte, mais grâce à leur moustache. Donc, les moustaches, ce sont ces longs poils comme ça. Elles en ont à peu près 25 de chaque côté du museau. Et elles peuvent les bouger à une fréquence d'environ 10-15 Hz. Et c'est comme ça qu'elles arrivent à toucher des objets en les bougeant. Pour les souris, l'information tactile qu'elles obtiennent grâce à leur moustache, pardon, elle est importante car elle permet de contrôler différents aspects de leur comportement. Elle l'utilise par exemple pour naviguer, pour se déplacer, pour chasser et capturer des proies, et aussi pour interagir entre elles, donc pour les interactions sociales entre les animaux. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo ici où vous allez voir un animal qui est situé à gauche. Voilà. Voilà. Et cet animal, il va devoir sauter de la plateforme sur laquelle il est jusqu'à une autre plateforme qui se situe à droite. Tout se passe dans la nuit, donc l'animal ne voit pas où est l'autre plateforme. Et on peut voir que ce que l'animal va faire, c'est qu'il va utiliser ses moustaches pour d'abord essayer de toucher, d'avoir une idée de la distance qu'il doit parcourir, qu'il doit sauter avant de se lancer et de sauter vers l'autre plateforme. Et ça, c'est juste une version un peu ralentie où on peut bien voir vraiment le mouvement de ses moustaches et le contact entre les moustaches et la surface avant que la souris se lance et saute. Donc, la souris, c'est un modèle assez idéal, au final, pour étudier le sens du toucher, car l'organisation des circuits neuronaux qui relient les follicules qui entourent les moustaches jusqu'au cerveau, c'est très similaire à ce que je vous ai expliqué chez l'humain. Et l'organisation à l'intérieur du cerveau aussi est assez similaire. Bien sûr, c'est moins similaire bien sûr, qu'un singe, mais les connaissances qu'on arrive à obtenir en travaillant sur les souris, elles sont dans une certaine mesure aussi applicables aux primates et aux humains. Maintenant, pour pouvoir faire le lien entre l'activité électrique du cerveau et les caractéristiques. Je vais arrêter cette vidéo. Et donc, pour faire le lien entre l'activité électrique du cerveau et les caractéristiques du stimulus sensoriel, on doit être capable de deux choses. La première, on doit pouvoir enregistrer l'activité des cellules individuelles dans le cerveau en réponse au stimulus sensoriel. Et la deuxième, on doit être capable de provoquer un stimulus sensoriel, un stimulus tactile dont les caractéristiques sont plus ou moins contrôlées ou en tout cas qu'on puisse les mesurer pour faire le lien entre les deux choses. Donc, ce qu'on utilise dans le laboratoire pour éliciter un stimulus sensoriel, c'est-à-dire pour déplacer les moustaches des souris,
ce sont deux choses. La première, on peut soit utiliser un petit moteur galvanométrique qui va déplacer un tube dans lequel on va glisser la moustache de la souris. Et donc ça, c'est ce qu'on voit sur la vidéo de gauche. Et on voit ces tubes qui bougent. C'est assez rapide, la vidéo est montrée au ralenti. Mais on voit ces deux petits tubes qui bougent. Et ça va bouger les moustaches. Et ça va générer de l'activité électrique qui va se propager au cerveau. La deuxième façon, qui est un peu plus naturelle, c'est de laisser la souris elle-même bouger ses moustaches et placer des objets devant sa tête qu'elle peut contacter avec ses moustaches. Et ça, c'est ce qui se passe dans le film sur la droite. Ça, ce sont les deux objets. Aussi, le film est au ralenti, bien sûr, tout se passe plus vite. Et ça, c'est la deuxième méthode qu'on utilise pour générer des stimuli sensoriels via les moustaches de la souris. Maintenant, pour enregistrer l'activité électrique des neurones, ce qu'on utilise, ce sont des grilles de microélectrodes, ou en anglais des microelectrode arrays. Et ce sont des très, très petites électrodes qui sont arrangées en grille sur un substrat silicium. Et c'est ce que vous pouvez voir sur cette image à gauche, ici. En vert, c'est du plastique et ça contient les connecteurs et les circuits qui vont lier les électrodes aux connecteurs. Et les électrodes elles-mêmes, elles sont placées ici, tout en bas, sur cette petite pointe. Et cette pointe, elle est représentée par ce schéma ici sur la droite. Donc c'est extrêmement... La pointe en elle-même, elle fait 5 mm, mais la région où sont situées les électrodes est extrêmement petite. C'est à peu près 800 microns. Et l'électrode en soi est très fine, 15 microns, donc c'est vraiment très, très fin. Et on utilise ce genre d'électrodes qui sont très petites afin de faire le moins de damage possible dans le cerveau. Et donc ici, sur cette image, vous voyez l'activité électrique du cerveau qu'on peut enregistrer avec une telle électrode. Donc, chacune représente un signal électrique qui est obtenu par une des électrodes. Et ceci, c'est pour une durée d'à peu près 80 millisecondes. Et il y a des portions du signal ici qui sont colorées en blanc, que vous pouvez voir ici, et que j'ai agrandi sur l'image suivante. Et ça, ce sont... des signaux qui sont générés par des neurones individuels. C'est les potentiels d'action dont Anne-Caroline a parlé. Et ça, c'est la forme qu'ils ont qu'on peut enregistrer avec ce genre d'électrode. Et on les reconnaît parce que c'est une déflexion très rapide, ce V, comme ça, cette forme en V, comme ça, qui dure moins de 3 millisecondes et d'une amplitude de quelques dizaines ou quelques centaines de microvolts. L'amplitude dépend de la distance entre l'électrode et le neurone. Plus l'électrode est proche du neurone, plus le signal sera grand, et plus l'électrode est loin, plus le signal sera petit. Et voilà. Donc, ces signaux-là, on peut ensuite en conclure qu'ils proviennent de neurones individuels, et c'est comme ça qu'on peut ensuite comprendre l'activité de différentes neurones, ou mesurer l'activité de différentes neurones, grâce à ces microélectrodes. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu quelques résultats de mon travail. Donc tout d'abord, je vais vous montrer quelle activité ces neurones ont en réponse à un stimulus, un mouvement de la moustache qui est donné sur le côté opposé du corps. Donc le stimulus est du côté de notre gauche et l'enregistrement se fait dans l'hémisphère droit. Donc ça, c'est enregistrer la partie du cortex qui est la partie qui reçoit l'information directement depuis la périphérie. C'est le circuit classique que j'ai expliqué au début chez l'humain. Donc ici, vous avez l'activité de deux neurones. On va regarder d'abord la première ici. Donc ce genre de graphique, chaque petit trait bleu, ça représente un potentiel d'action. Ça représente une de ces waveforms ici. On les représente par juste un petit trait. Et en bas, c'est un histogramme qui représente la distribution de chaque potentiel d'action au cours du temps. Et chaque ligne ici représente un stimulus. Donc ça, c'est l'activité de la cellule 1. Quand on a stimulé la moustache une première fois, et la dernière ligne, ce sera l'activité de la même cellule après qu'on a stimulé la moustache plus de 140 fois. Et donc ici, l'histogramme, ça nous donne une idée de la réponse, de l'activité de cette cellule en moyenne.
Et ce qu'on peut voir, c'est que ces deux neurones, immédiatement après que le stimulus ait été appliqué à la moustache, elles augmentent leur activité électrique. Vous voyez, le pic ici, c'est assez clair aussi, ici, si on regarde les potentiels d'action individuels. Et donc, cette augmentation d'activité électrique en réponse au stimulus sensoriel est aussi dépendant de l'intensité à laquelle le stimulus est donné. Plus le stimulus est rapide, plus on bouge la moustache vite, plus le changement d'activité est grand. C'est ce que ce graphe ici montre. Maintenant, si au lieu d'enregistrer l'activité, ou si au lieu de stimuler la moustache opposée, on stimule la moustache du même côté que l'hémisphère qu'on enregistre, ce sont ce genre de réponses qu'on obtient. Donc, on obtient aussi des neurones qui augmentent leur activité, mais on trouve aussi des neurones dont l'activité diminue en réponse au stimulus sensoriel. Et si on compare maintenant l'activité de ces cellules en fonction d'un stimulus ou de l'autre, c'est ce genre de graphe. Donc, sur l'axe vertical ici, c'est l'intensité de la réponse du neurone en fonction du stimulus qui était donné du côté opposé. Et sur l'axe horizontal, c'est la réponse pour un neurone pour le stimulus qui était donné du même côté. Donc, on peut voir c'est que les points sur ce graphe sont plutôt alignés dans cette direction, ce qui veut dire qu'il y a une tendance pour les réponses, il y a une tendance qui va vers le fait que les cellules ont une réponse plus grande quand le stimulus est donné du côté opposé que du même côté. Si les réponses avaient la même intensité, on s'attendrait à ce que les points soient sur cette diagonale ici. Donc, ces premières mesures, ça nous a permis de voir que l'activité qui était générée par un stimulus sensoriel n'était pas seulement présente dans l'hémisphère opposé, mais aussi dans l'hémisphère du même côté, avec une amplitude réduite. Maintenant, ce qu'on s'est demandé, c'est quelle valeur, quelle information est contenue dans cette activité électrique? Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser un outil mathématique, c'est un classifier ou une fonction, c'est une fonction mathématique qui prend en input l'activité des neurones et qui ensuite va classifier cette activité, dans notre cas en deux groupes, et ensuite va l'assigner à est-ce qu'il y avait un stimulus ou est-ce qu'il n'y avait pas de stimulus. Donc, c'est ce que ce schéma ici représente. Et on peut faire ça avec l'activité des neurones d'un hémisphère ou de l'autre. Et ça nous permet d'avoir une idée. Si la souris utilisait cette information pour décider est-ce que j'ai senti quelque chose ou est-ce que finalement non, c'était rien, il n'y avait pas de stimulus, en se basant sur l'activité des cellules de la région qu'on enregistre. Donc, les résultats qu'on obtient en utilisant ce genre de méthode sont les suivants. Donc, en utilisant l'activité des neurones et en la faisant passer par cette fonction mathématique, on obtient une performance qui est le pourcent de chance de prédire correctement si un stimulus était présent ou absent. Et si on utilise l'activité qui provient de l'hémisphère opposé, on voit qu'au minimum, on a 1% de chance de prédire correctement, en tout cas 75%. Et plus on utilise de neurones, plus on augmente le nombre de neurones dont on utilise l'activité pour la prédiction, plus ce pourcentage de prédiction augmente. Et maintenant, si on fait la même chose en utilisant l'activité des neurones de l'autre hémisphère ou quand on stimule du même côté, on voit que même avec, bien que cette activité soit réduite en amplitude, on arrive quand même à prédire la présence ou l'absence d'un stimulus avec un taux qui est plus grand de 50%. Et 50%, c'est par chance, si on devait dire est-ce qu'il y en a un par chance, on serait correct à 50% de chance. Et en utilisant ce genre d'analyse, on peut non seulement essayer de comprendre si on peut prédire la présence ou l'absence d'un stimulus, mais on peut aussi essayer de prédire les caractéristiques du stimulus. Et dans notre cas, on a utilisé la vitesse et on a fait le même genre d'analyse en utilisant l'activité électrique des cellules. Est-ce qu'on était capable de prédire si le stimulus était rapide ou si le stimulus était lent? Et un petit peu de la même façon que pour la prédiction de la présence d'un stimulus, les cellules de l'hémisphère opposé, en général, permettent d'obtenir une performance un peu
une performance plus grande que les cellules du même hémisphère. Ici, la performance est clairement plus petite comparée à cette situation, mais c'est quand même un tout petit peu mieux que ce qu'on obtient par chance. Donc, ce qu'on peut conclure avec ce genre d'analyse, c'est que l'information qui se trouve dans l'hémisphère du même côté que le stimulus est donné, a aussi, contient une certaine part d'information sur, en premier, la présence, l'absence d'un stimulus, et en deuxième, sur certaines propriétés du stimulus. Et donc, ça, c'est une partie du travail que j'ai fait maintenant, et je pense pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais je parle volontiers ensuite d'autres choses. Et je voulais juste finir par remercier les membres de mon laboratoire et my boss here, Garrett, for those who know him, and also the funding of the NIH et du Fonds National. Et merci à vous pour votre attention. Première question. Est-ce que c'est le même type de signal d'information qui est traité pour le toucher, la pression et la température, par exemple? Alors, la pression, c'est une des propriétés du toucher, et la température, ce sont des récepteurs différents et un circuit aussi différent. Donc, c'est un autre circuit. C'est séparé, mais c'est très parallèle. Mais c'est séparé. Et c'est un peu une petite question pour les autres sens, par exemple pour l'odorat et l'ouïe. Est-ce qu'il y a aussi une petite connexion entre les différents hémisphères du cerveau? La même répartition avec l'hémisphère gauche qui va avoir plus d'informations sur ce qui se passe à droite? Pour lui, c'est le cas, mais pour lui, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a déjà des interactions entre les deux oreilles qui se passent avant d'arriver dans le cortex. Pour la vision, oui. Pour la vision, il y a aussi des interactions. Ce n'est pas exactement le même genre d'organisation que pour le toucher, mais il y a aussi des interactions et une séparation. Présenter les deux usages. Donc il y a celle où tu fais ces points, c'est ce que tu as montré. Du coup, avec l'autre méthode, c'est la structure. Est-ce que tu prends observe la même réponse de ces deux-là? Alors, les réponses sont un petit peu différentes quand il y a un signal moteur qui est volontaire. C'est un petit peu différent, mais il y a quand même toujours l'interaction entre les deux hémisphères. Mais le signal en soi est à la base déjà différent. Le signal qui atteint le cortex. Pour les enregistrements, il y a deux types de réponses. Est-ce que ça dans l'autre hémisphère, on voit très très peu de diminution d'activité. La plupart des cellules, elles augmentent leur activité. Quant à l'information qu'une diminution d'activité contient, c'est pas très clair. Surtout parce que une augmentation, il y a un peu plus de marge pour la valeur de l'augmentation, la diminution. Les cellules à la base, elles sont actives, mais pas énormément actives. Et donc, elles peuvent diminuer seulement d'une certaine quantité fixe. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, ces diminutions d'activité. Et est-ce que ça contient l'information là, qui est probablement, mais on ne sait pas exactement. Chaque moustache, il y a combien de neurones? Je ne sais pas. Des milliers. Donc la réponse, ça va être différente. La force, en fait, c'est en fonction de la force qui est appliquée. La moustache est entourée par le follicule. Et c'est à la base du follicule que les terminaisons nerveuses se trouvent. Et donc, en fonction de la force qui est appliquée
sur le follicule. C'est ça qui va être proportionnel à l'activité électrique. Après, c'est possible de toucher le bout de la moustache, mais de bouger, de faire une très très grande déflexion, ou de toucher un petit peu plus près, juste bouger un tout petit peu, et c'est possible que ça génère la même quantité d'activité. L'information pour chaque moustache est intégrée au même niveau du cerveau. Si vous touchez plusieurs moustaches en même temps, ça va être jusqu'à une augmentation du signal, et c'est des nouvelles zones du cerveau qui sont activées. Il n'y a pas forcément des nouvelles zones du cerveau qui sont activées, mais les signaux qui proviennent de chaque moustache commencent à interagir entre eux de la même façon que les deux hémisphères interagissent. Les régions qui représentent deux moustaches différentes vont commencer aussi d'avoir des interactions. C'est aussi pour ça, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi mes souris avec une seule moustache et toutes les autres avaient disparu. Parce qu'on les, justement pour qu'on puisse contrôler le stimulus sensoriel et pour que ce soit plus simple de comprendre le lien entre l'activité électrique et le stimulus sensoriel, on évite d'avoir ces interactions. Ensuite, ça devient très, très compliqué de comprendre le lien entre stimulus et l'activité électrique. Comment est-ce qu'il fonctionne l'outil ELGA pour dire si quel signal, c'est-à-dire que... C'est une classification linéaire et la dimension dépend du nombre de cellules qu'on utilise. Disons, le cas le plus simple, si on avait deux cellules dont on utilise l'activité, et on mesure cette activité quand il y a un stimulus, quand il n'y en a pas, et ensuite on fit, en français, on fit le modèle sur ces données. Et en deux dimensions, c'est vraiment une ligne qui sépare l'espace en deux. Et quand on utilise plus de neurones, c'est le même principe, plus de dimensions. Donc on entraîne d'abord le modèle avec des données dont on connaît l'entrée et la sortie. Et ensuite, on utilise des données qu'on n'a pas utilisées pour entraîner le modèle, pour tester la performance du modèle. Et, si on pense, j'ai travaillé il y a très longtemps dans un laboratoire où ils utilisaient des rats pour étudier les moustaches. Est-ce qu'il y a une raison de choisir des souris plutôt que des rats, ou est-ce que c'est à peu près équivalent? Je pense au niveau du système sensoriel, c'est assez équivalent. C'est juste qu'avec les souris, c'est aussi possible chez les rats, mais c'est moins commun. On a des animaux transgéniques. Et par exemple, ça, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais par exemple, si on veut essayer d'enregistrer l'activité de certaines cellules spécifiques qui expriment des gènes spécifiques, on peut utiliser des animaux transgéniques et ensuite exprimer certaines protéines dans certaines cellules. Je pense que c'est ça l'avantage principal, mais le système en soi et l'organisation est similaire. Donc pour finir, je vais juste remercier encore une fois Anne-Caroline et Aurélie pour leur présentation et tous les organisateurs qui ont permis à cet événement d'avoir lieu, donc le service scientifique de l'ambassade, la chambre de commerce franco-américaine d'Atlanta et la French Tech Atlanta. Si vous voulez plus d'informations sur le service scientifique de l'ambassade, n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a aussi mon adresse email ici. Et si vous voulez scanner le QR code et donner vos informations pour recevoir la newsletter du service, par exemple, n'hésitez pas, je vais laisser ça pendant la prochaine heure. Si vous avez d'autres questions aussi à poser aux scientifiques qui sont ici, n'hésitez pas. Donc, comme j'ai dit avant, on a les boissons et les snacks qui sont dans le couloir installés. Donc, maintenant, je vous invite à aller déguster tout ça. Et encore merci d'être venu aujourd'hui. Thank you.